L'équipe de France qui donne le coup d'envoi. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. L'entraîneur qui semble un peu moins crispé avec ce but. Hein. Oui, parce qu'il sait que cet avantage à la marque est précieux. Ces joueurs ont besoin de la victoire pour assurer la montée. Pour le moment, tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut dire, Pierre, sur ce but qu'on revoit au ralenti, c'est le geste parfait. Ben ça prouve que tu n'as pas besoin de frapper dans la balle comme un bœuf pour marquer des buts et que la finesse ça a du bon au fond. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. On a peut-être une bonne occasion. Il arrive à centrer. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Anthony Martial. Payet. Il s'avance vers la surface. Ah oui, le bon ballon là. Et il n'a plus qu'à la mettre au fond. Et il y est. Ils réussissent le match parfait au bon moment. C'est la marque des grandes équipes, ça y est. Maintenant, la montée ne devrait plus être une formalité. Un but qui fait du bien pour l'équipe de France. Il a bien pensé avoir fait le plus dur, mais le joueur a bien suivi l'action. C'est un but plein d'opportunisme. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Oui, ça circule bien, la construise tranquillement. Elle est dépossédée du ballon, Dimitri Payet. C'est donc une touche pour l'Espagne. Andrés Iniesta. Espagne qui se porte à l'attaque. Coquet. Ouais, bonne prise de balle du gardien. La passe d'Anthony Martial, elle est interceptée. Kingsley Coman. Eh bien, l'intervention, changement de possession. L'équipe de France a récupéré le ballon. Samuel Umtiti. Pogba. Attention que ça peut être dangereux. Le centre. La frappe d'Anthony Martial. Le ballon qui est en corner au bénéfice de l'équipe de France. Ouais, la belle anticipation de Raphaël Varane. Paul Pogba qui a du soutien. Il choisit la frappe. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein, parce que le jeu, c'était pas là. Sergio Ramos. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Coupé. Et l'attaque va s'arrêter là. Paul Pogba. Anthony Martial. Il y a certaines. Le gardien qui va essayer de s'interposer. Kingsley Coman. Et il marque. C'est une excellente opération que l'équipe est en train de faire avec ce nouveau but. Les joueurs confortent encore un peu plus leur avance et ils font un grand pas vers la montée. Les bleus, ils sont en train de prendre le large dans cette partie. Car il commence à être très intéressant. On se prend peut-être au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Choisi de repasser par Anthony Martial. Andrés Iniesta. Busquets. Quel palmarès il a également, lui. Tiens, Sergio Busquets. Qu'est-ce qu'il n'a pas gagné, en fait? Un peu comme tous les joueurs. Oh, le but peut-être. Allez, bien s'appliquer. Bien s'appliquer sur ce corner. Le ballon en touche, l'équipe de France qui va effectuer la mise en jeu. Kingsley Coman, Pogba. Le joueur espagnol qui attaque. Il va y aller. Alors, il va se
saisir de ce ballon. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Anthony Martial. Regardez qui a joué sur ce contre. Anthony Martial qui frappe. Il pose son ballon pour ce corner. Et ce sera pour Blaise Matuidi qui était bien placé. Pogba. Un duel pour la récupération du ballon. Jordi Alba. Diego Costa. Il la joue un petit peu comme on ronde. On fait tourner en attendant l'ouverture. Et le tir. Et c'est pour le gardien. Il va y avoir de l'agitation et du mouvement dans la surface. Sergio Busquets. Il s'en est fallu peu et qu'il reprenne ce ballon de la tête, vraiment. Hein. Ouais, belle détente quand même. Enfin, ça ne suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon. Dimitri Payet. Attention, il a du champ devant lui. Il prend sa chance. Les Bleus qui vont bénéficier du coup franc. Oh, attention! Et la frappe de Diego Costa. Blaise Matuidi. Ouais, bon mouvement amorcé par les Bleus. Il est dépossédé du ballon. Kingsley Coman. Payet. Le duel. Et la frappe d'Antoine Griezmann. Ballon piqué, parfaitement dosé. On ne savait pas s'il avait tenté un accroché ou la frappe en force. Ah, il n'a rien fait de tout ça, il a choisi la balle piquée. Ils ont certainement tué le match. Hein. Le score est maintenant de 4 à 0. Espagne qui se porte à l'attaque. Et la voilà la frappe. Oh, superbe intervention du gardien. Petit exploit là. Le corner donc. Gérard Piquet. Ah non, ce ballon qui passe trop haut. Oui, il ne peut reprendre le ballon du haut de la tête et ne peut pas redresser la trajectoire. Vous voyez que l'équipe qui met le score est aussi celle qui a tenté le moins de tirs. Bah oui, mais ça veut dire qu'elle est plus efficace, Hervé. Hein. Attention, il n'y a plus que le gardien. Non, mais ça ne passe pas. Sergio Ramos. C'est la...